Hi, I'm Paul Pierce, and I play forward for the Boston Celtics. Take one. Paul Pierce, c'est une carrière que l'on peut résumer en un surnom unique qu'il obtient un soir de mars 2001, trois ans après son arrivée en NBA. Boston affronte les Lakers, Pierce inscrit 42 points, ce qui lui vaut les éloges de Shaquille O'Neal après le match. La légende, The Truth, est née. Write this down. Paul Pierce is the mother... truth. He told him that I was the bleep 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 truth. I knew the kid can play, but I didn't know he can play like that. Don't take anything out of it. Paul Pierce is the truth. That's what you should call him from now on. Paul Pierce détiendrait donc la vérité. Il le démontre dès ses débuts avec les Celtics, des premières saisons pas toujours évidentes, passées aux côtés d'Antoine Walker. Drive. 2008, Pierce a été rejoint par Kevin Garnett et Ray Allen à Boston, qui a changé de dimension. La vérité éclate alors au grand jour. Contre Cleveland en playoff, le numéro 34 remporte son duel face à LeBron James. Lors d'un match 7 mémorable, Pierce a déjà le surnom, mais cette fois, il se fait un nom. Here's the double, Pierce, he's feeling it. Pierce lighting it up with 33. Standing ovation here in Boston. I would say that I don't really have an individual rivalry. I think the closest would be Paul Pierce. Pierce on LeBron, stops mid-block, jumps backwards. Whoa. Crazy shot is good. I would say Boston and Paul Pierce would kind of be that guy if I had to name just one guy. La même saison, les Celtics atteignent les finales NBA avec un match 1 entré dans l'histoire. Paul Pierce semble se blesser à la jambe droite sur cette action. Il rentre au vestiaire porté par ses coéquipiers, puis assis sur une chaise roulante. L'image est terrible. Mais Pierce fait rapidement son retour sur le parquet sans aucun signe de blessure. Il mène les Celtics à la victoire, un épisode étrange et encore inexpliqué aujourd'hui. Cinq matchs plus tard, Boston terrasse l'ennemi Lakers et décroche le titre NBA. Paul Pierce est nommé MVP des finales. La vérité atteint le sommet du basket mondial. This is unreal, just where we came from a year ago, where I was at. To be here today, celebrating with my teammates, city of Boston stuck with me throughout all the hard times. I know we didn't have a lot of great years, but you guys right here, you guys stuck with me. And now we bring home Champion 17! Yeah! Après des nouvelles finales en 2010, perdues cette fois et 15 saisons passées à Boston, Pierce est transféré à Brooklyn à l'été 2013. La vérité change de maillot. Pierce wants it, takes it, makes it! Another one for Pierce! That's why they got me here! That's why I'm here! La saison suivante, il atterrit à Washington et continue de faire ce qu'il sait faire. Termine sa carrière aux Clippers et foule le parquet du TD Garden de Boston pour la dernière fois le 5 février.
Là encore, la vérité est au rendez-vous. Il entre en jeu dans les dernières secondes et marque sur son unique tir de la soirée comme un adieu au peuple vert. He's been rewarding us for 19 years. It's the last time I'm gonna touch this floor as a player. You know, I'm sure I'll be back as a fan, but as a player, that was my last time, so I thought it was only fitting. Kiss the floor goodbye. Man, thank y'all again. Appreciate everything y'all. On behalf of all of us, Paul, thank you. Thank you very much, Paul. Congratulations. Clock is rolling. 10 seconds. Pierce against Felton, straight away up top. La NBA vient donc de perdre un joueur unique, avec une certitude laissée derrière lui, Paul Pierce, c'était la vérité. You know, who'd have even thought a kid from Inglewood just end up here, right here on the big stage, you know, win the championship, travel the world, be an inspiration to a lot of young ball players today. It's been real, man. It's been real, it's been fun. 4 seconds to go, Pierce right side, ducks the shoulder, step back on Stoudemire, ball away, got it! Paul Pierce with the dagger.